Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire un curry de porc originaire du Tamil Nadu en Inde. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Dans cette région de l'Inde, il y a deux ingrédients qui sont très utilisés dans les curries. C'est le tamarin et la noix de coco. Comme un membre de ma famille est intolérant à la tomate, je vais utiliser une purée de courgettes pelée. Pour obtenir un délicieux curry sans tomate, il faut y ajouter un fruit ou un légume sucré, comme de la mangue ou des fruits séchés. Aujourd'hui, je vais ajouter de la mangue. Si vous n'avez pas d'intolérance à la tomate, vous pouvez toujours remplacer ma purée et de légumes et la purée de mangue par une purée de tomate. Si vous êtes en période de thémorisation du goût, plutôt que faire frire les épices à la fin, vous pouvez les ajouter juste après avoir ajouté la purée de légumes et réduire le plus possible la quantité d'huile. Alors, c'est parti! Ça commence à pétiller, donc on va mettre 3 quarts de karaté de graines de fenouil, une demi karaté de graines de moutarde. On va ajouter 5 capsules de cardamome. Et un piment fort. On va baisser le feu et on va ajouter notre nez morceau de porc. Alors c'est prêt, on les enlève. Maintenant on ajoute 4 pommes de terre. Les pommes de terre sont prêtes, je les mets avec le porc, on met ça. Et maintenant, on va ajouter 3 oignons coupés finement. On ajoute l'ail, donc c'est 3 gousses d'ail. Maintenant, on va ajouter un pouce de gingembre râpé. On ajoute à peu près 5-10 feuilles de curry pilé, les feuilles de curry. On ajoute une recette de purée de légumes. Moi, c'est une purée de courgettes. On gratte. Alors, une demi-mangue en purée. Je baisse un peu le feu. Une cuillère à soupe de coulis de tamarin épais, de la pâte de tomate, ici moi c'est de la sauce harissa, mais c'est la même chose, pâte de tomate, on mélange tout. Maintenant on va remettre nos pommes de terre et notre porc. C'est pas dans la recette, mais j'ai des fleurons de chou-fleur, donc j'ajoute les fleurons de chou-fleur. Et un quart de tasse de crème de coco, lait ou crème de coco. Là, j'ai ajouté juste un peu d'eau pour vraiment que la sauce soit un petit peu moins épaisse, mais c'est tout. On porte à ébullition. C'est déjà là, donc on réduit 3 sur 1. Et on met le couvercle. On laisse frémir, cuire entre 45 minutes et 1 heure. L'huile est chaude, donc on ajoute 2 feuilles de laurier, 1 piment, 1 cuillère à soupe de curry, 2 cuillères à thé de curcuma, 1 cuillère à thé et demie de coriandre moulue. Je vais baisser mon feu. Une demi-cuillère à thé de poudre de chili et un quart de cuillère à thé de cannelle et le garam masala. On est prêt à verser nos épices frites.
C'était ma recette de curry de porc du Tamil Nadu en Inde. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.